Puis la mer aussi qui est montée de façon assez considérable du côté de Saint-Malo. Priorité au direct, où vous vous trouvez? Ah oui, non, mais celle d'après, oui, par contre. Celle d'après, par contre. Ouais. Fanny Agostini, Fanny, qui a les pieds dans l'eau. Attention les pieds. Attention à la caravelle. Fanny, par contre. Oh, bah. Faut s'en aller, Fanny. Faut s'en aller. Attention, Fanny, il y a une grosse vague derrière. Attendez. La vache. C'est notre caméraman qui a dû avoir un petit souci. La vague a été plus forte que prévu. Fanny, tu es toujours là? Le micro fonctionne. Je m'attendais à la douche ce matin. Oui, je suis toujours là. C'est vivifiant, Fanny. Je m'attendais à la douche ce matin. Et ça réveille, hein. Franchement, ça réveille. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que voilà, c'est dangereux, hein, il ne faut pas s'approcher du bord, il ne faut surtout pas m'imiter. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de monde pour admirer les marées, car c'est un phénomène très impressionnant. Regardez autour de nous, il y a même des enfants qui ont fait l'école buissonnière aujourd'hui. En direct avec BFM TV. Ce matin pour pouvoir assister à la marée, il y a du monde, effectivement. Le vol planète, elle a fait la journaliste mondiale, a sauté, quoi, mais oh la gamelle. On va voir ça à la télé, on va le voir à la télé, si.